Hey, c'est Tim Tobias. Aujourd'hui, un jour, un colis. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le concept. Contre un roublard full feu qui nous a donné pas mal de fil à retordre contre notre zobal. Bon visionnage. Mais du coup, si tu compares aux autres voies élémentaires, il faudra trop peu de dégâts. Ça va pas changer en PVM, PVE. En fait, en gros, le problème, c'est que zobal, double élément, tu le joueras jamais. Vraiment. Roublard, c'est horrible. Roublard contre moi, c'est horrible de ouf. Vraiment. Ouais, il veut nos OS, hein. J'ai vu full de pro pour le PVM, je trouvais ça pas mal. Pas fou, donc avec OR, ça semblait mieux, ça donne accès à l'OE. Enfin, dans ces cas-là, va plutôt sur un mode full R et tu spams les Agulars. Dans ces cas-là. Mais Zozo, c'est absolument pas une classe à double LM, ça le problème. Il fait la même chose que moi, c'est cool quand même. Bon, par contre, j'espère qu'il aimait pas sa bombe parce que. Moi, je l'aime pas. Avant, c'est max. Hein. Ouais, il va cabou. Putain, mais c'est tour, hein, ils sont très réglés, hein, genre. Voilà, il met la tornabombe, il va mettre la bombe à haut, et ensuite, il fait péter sur moi pour gagner DPA, DPM et pour morale. Bien joué. Joueur français, très très bien, très très bon, ça quand même. On va s'en servir pour approcher du coup. Du gros stuff, dis donc. Eh bien oui. Encore Kaboom? Encore, oh là là. Voyons. Je pense qu'il va mettre une bombe feu, il va mettre ça... Ah, il peut pas, hein. Avec le tacle, il peut pas la mettre. Hé hé. On doit faire attention, hein. on laisse 3 bombes dispo, il nous OS. Hein. Bon, je le dirai jamais assez, hein, mais. Là, je peux lui mettre vraiment la pâtée. Hein. Genre, j'ai Bokira tour d'avant. Je vais le faire quand même, je vais me prendre super cher hein, en retour. Mais je pense que c'est le moment. Après, je peux aussi tuer sa bombe. J'aime bien le fait de tuer sa bombe, j'ai encore mon masque un tour, donc autant pour profiter du dégât. Je vais la finir avec le dégât de mon masque. Mais du coup, regarde, je lui ai mis un peu de dégâts, j'ai tué sa bombe tranquille. Ah oui, non, il est en doco quoi. Et donc dans tous les cas, ça change rien. Non, j'ai pas vu que c'était la rémission. Je vais pas le dire. Je vais faire, alors c'était prévu, etc. Mais dans tous les cas, j'hésitais vraiment à tuer la bombe, donc au final, c'était pas si mauvais que ça. On va gagner le petit PM qui va nous permettre de bien le tabasser là, ce tour-là. Le truc, c'est que j'ai un peu peur. Bon, le Dokoko est passé, ce qui est déjà une bonne chose. Faudra le Fook pour les prochaines prochains tours de Dokoko. Et là, du coup, il va se prendre 1400, il va se prendre, je pense, 200, truc comme ça. Ah non, bah non, oui, le masque est pas relançable, du coup. Enfin, a perdu son tour d'effet. C'est un peu emmerdant. Forcément, là, il va mettre double bombe. Est-ce qu'on lui laisse ses bombes ou pas? Il a 2000 points de vie, on va pouvoir aller le chercher. Je pense qu'on va aller continuer de l'attaquer, on peut quand même changer de masque, on peut du coup relancer notre Bokira. Bon, on l'avait déjà lancé, mais tant pis. Bokira, double dégâts. C'est quand même pas mal, ça lui fait mal, hein. Mon masque, il va lui mettre environ du 200 à la fin de son tour. 1200, on va reproc l'ivoire, c'est chiant pour lui, il va me libérer, mettre une bombe, bon ça on le savait. Mais voilà, il a 1000 points de vie, il faut absolument qu'il me kill. Mine de rien, c'est complexe pour lui, hein. Vraiment. La rémission sur la bombe, forcément, le dégât qui passe à 300, donc il va passer à 600 juste après. Le lag, non par contre s'il te plaît, non, je veux gagner. Ah non, le lag pas, arrête. Voilà, c'est bon, tout va bien. Extraction qui est quand même plutôt cool pour lui. Bon, je continue vraiment à aller la race, donc on va aller faire ça, on a c'est à 4 donc c'est parfait. On va aller faire ça. Est-ce qu'on tue 900. Je sais pas si c'est la win, 200 on lui met pas, je pense pas.
142. Il lui reste 500 HP, je récupère 400 HP max, qui est quand même plutôt cool. Il a 500 HP et il aura pas de PV pendant 3 tours. C'est compliqué, mine de rien, pour lui de me mettre dans les bombes. En vrai, c'est plutôt complexe. Je suis assez content de la pression que je lui ai mise, vraiment. Genre vraiment à ce niveau-là, je lui ai mis quand même beaucoup de pression, ce qui est plutôt appréciable. On va peut-être la gagner. Donc je suis plutôt satisfait. On a une cote de clic plutôt fort. Le mec était très très bon en face. Donc c'est plutôt sympa. Alors le seul problème qu'on aura, c'est que là on va devoir faire ça. Attendez, on peut pas. Et c'est le chien. Il nous restera 1 PM. Je sais pas si j'ai la ligne de vue sur lui. Ça fait un peu peur. Là il y a le mur là, sinon je serais arrivé directement là-bas. Ouais, je vais pas la voir malheureusement. Donc on va faire un autre move. On va libérer distance. Le but c'est de lui mettre un maximum de dégâts. Il est loin de ses bombes. Et on peut aller proc. Oui j'avais le DV, bah j'avais peut-être kill du coup. C'est peut-être un misplay du coup. Ah, les tutos LDB c'était... Bon, ça arrive, c'est pas grave. On a bien joué tout le long. Mais je suis pas... Tu sais, en fait, dans ces cas-là, genre... Quand je suis pas sûr, je le fais pas. Genre, j'avais gagné, hein, par contre, si jamais je faisais ça. Mais quand je suis pas sûr, je préfère pas le faire. Vraiment. Un genre de truc où... Voilà, c'est ce qu'on appelle la panique, hein, dans le jargon. Est-ce qu'on le tuerait pas? Alors, si je me donne un PA, on passe à 9. Faut que je le masquage juste, hein. J'ai pas besoin de plus. 9 PM. Je vais me mettre là pour être attiré en Diago. Non, je passe à 7. Je peux changer, 6. Non, je suis obligé de faire ça. Bon, on va tenter, mais je crois pas. J'ai pas le PM. Ah! Il fait des bêtises. Tant oublier les bêtises. Sur la fin, on stresse un peu. Mais c'est pas grave. La game sera pas propre à 100%, mais le début est propre, donc ça me va. Il a, je pense, la PO pour pouvoir péter cette bombe-là. Il va me mettre dans les bombes. On va voir si je meurs. Ok. C'est possible qu'il m'OS, hein. Et là, ah, c'est gagné. Je pense. Ah non, blabla. On va voir si je meurs. Je pouvais doubler des bandades, masque, bolish, kawat et masca. Je regarderai après. Il va me pousser plutôt loin de me faire chier. Ouais. Il peut aller me chercher en plus, donc c'est parfait pour lui. Je prends pas suffisamment. Je prends 1000, mais c'est GG du coup. Stressé, mais ça va, c'est bon. On joue wellplay. C'était sympa comme combat. J'ai stressé jusqu'au bout. Mais j'ai choqué sur la fin, mais c'était plutôt cool. Peut-être pourquoi pas une vidéo pour YouTube, on verra.